la menace. Je ne peux pas m'enfuir directement, mes mouvements sont assez limités. Donc le but pour moi, je vais avoir ici plusieurs options. La première, ça va être d'essayer de sortir ma tête de la ligne de feu en essayant de saisir l'arme. Alors on a des techniques, par exemple, comme ceci, qui pourraient éventuellement bien fonctionner, à condition d'avoir le bon timing. Sur la suite, naturellement, ça va être là, je vais avoir la possibilité sans doute de pouvoir le désarmer. Mais je trouve que je me trouve un petit peu trop proche par rapport à lui en fait. D'autant plus qu'il n'y a pas de frappe, donc ça limite un petit peu les possibilités. Donc autre option, ça va être celle de la saisie directe qu'on peut voir habituellement, c'est-à-dire 1 et de frapper ensuite. Mais mon problème, c'est que je n'ai pas suffisamment d'appui en bas. Là, je suis très très limité au niveau de mes mouvements. Donc je n'ai pas la possibilité de prendre un appui correct pour pouvoir frapper de la main disponible. Donc j'aurai la possibilité soit éventuellement de passer ici ou bien alors là avec une frappe derrière, mais là je vais être en déséquilibre. Si je décide de passer sur l'intérieur, là c'est pareil, la frappe que je vais mettre, je vais peut-être toucher mais elle ne sera peut-être pas très efficace. Donc l'option à laquelle on pourrait penser, s'il te plaît, c'est que ici c'est de venir en saisissant main forte le pistolet, un petit peu comme on le fait habituellement à partir du moment où il y a un obstacle au niveau des techniques de désarmement, et d'imprimer tout de suite une pression très très forte au niveau du poignet. Dans le mouvement, je vais pouvoir avoir la possibilité ici de récupérer ma distance et de pouvoir mettre en joue éventuellement si j'ai fait. Donc ici, j'ai décidé de passer plutôt sur son côté extérieur et non pas intérieur. S'il te plaît, on pourrait imaginer de passer par exemple comme ceci, c'est-à-dire d'avoir le même type de saisie ici, toujours sur le même principe, et d'avoir ce fameux mouvement de désarmement. Mais ce qu'on pourrait penser, c'est qu'effectivement, d'un côté, ce sera plus simple pour lui mettre la pression au niveau du poignet. C'est-à-dire que si je passe sur l'extérieur ici, la pression au niveau de son poignet sera beaucoup plus forte. Si je passe sur son côté extérieur, je mets de toutes les parties du pistolet, éventuellement. Si je passe sur l'intérieur, je pourrais avoir une bonne saisie, une bonne compréhension au niveau de l'arme. Par contre, là, il aura peut-être un mouvement, mais il sera toujours, toujours dessus. Il aura beaucoup moins mal et ça ne va pas lui faire casser la prise. Il y a de fortes chances que ça ne risque pas de lui faire casser la prise, d'autant plus qu'il est en train d'avancer sur moi et que dans son mouvement, il peut très bien me sauter dessus ensuite ou tenter peut-être une frappe. Là, dans l'idée, c'est vraiment de partir sur les fondamentaux des principes de Kawamanga, c'est-à-dire sortir de la ligne de feu avec une maîtrise de l'arme, ici, et après on voit ce que l'on peut faire. Là, j'imprime une pression, là il est déjà avec une pression qui est relativement forte au niveau de son bras et surtout de son poignet, ce qui me permet de partir et de pouvoir mettre en joue la distance. 1, à la bonne distance, tout en mettant en jeu.